Yo l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager et intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir la chaîne notification. Ça permet chaque fois que nous postons une vidéo sur la chaîne que vous avez une information sans problème. Deux présumés membres yon gang mouri nan échange coup de zam ak agent PNH la nan ville Saint-Marc. Plusieurs autres individus qui ta membres gang actuellement nan prison d'après commissaire gouvernement Saint-Marc la maître Moïse Deristin. Chef parquet a salué collaboration active li di li genyen ak police nationale la nan juridiction Saint-Marc la nan bataille kap menen contre gang Axamio. Correspondance depuis Saint-Marc, Dani Michel. Commissaire gouvernement parquet Saint-Marc la maître Moïse Deristin présenté jeudi 31 mars la bilan opération la police ak la justice nan juridiction effectué mois mars pour vivre avril 2022. Selon chef parquet a série opération sa ou permettre yo arrêter plusieurs individus sans compter l'autre qui tombé dans le cadre d'affrontement avec agent force l'audio dans la juridiction. Dans le mois qui passe déjà, dans l'opération que la police te menait, tu as gagné un gang qui t'est tombé. Et le 28 mars, là, donc dans l'opération que la police te menait, nous t'es arrivé à mettre main sur deux gangs plus un gang qui tombé. Gang ça yo répond sous nom Bruno Boulot et Luxon Noël. Et Ferdinand, Bruno Boulot et Luxon Noël sont actuellement nommés la justice. Quant à Ferdinand, il est stoppé, il est tombé. Et il y a une autre opération encore qui est menée dans le niveau Verrette parce que il y a un kidnapping qui est fait et dans la nuit du 21 au 22 mars de l'année ça même. Il y a un cas de kidnapping côté que ils ont enlevé un citoyen qui aurait les cherché. Et le citoyen ça a nommé la vie chez eux. Il a réclamé rançon jusqu'à présent, il ne peut pas relâcher. Mais quand il kidnapping ça, il y a des noms qui sont cités. Et nous-mêmes, nous travaillons sur le dossier ça. De concert ensemble avec la justice de peine, au niveau verret, avec la police, et nous déterminer pour nous travailler sur le dossier ça. Et pour nous, quel type d'intervention, d'interpellation, pour nous faire pour que les gens non yo cité, pour que les gens répondent devant la justice. Y aller, mais Moïse Deristin voyons si avec les bails toute malveillance ici qui pensait y'a qu'à venir établir base dans le département de la Tibonite parce que tout autant il est en tête juridiction, ça fait bandit, kidnapper, capalcadé dans l'autre département géographique dans le pays, pas une chance si là dans le département de la Tibonite parce que on lit cette travail avec la police et puis mettez dans un coin tout individu qui a commis mauvais actes dans la société, particulièrement le département de la Tibonite. Inspecteur général en chef police nationale là Fritz Saint-Fort l'y installé hier jeudi 31 mars là commissaire divisionnaire Daniel Compère comme nouveau directeur départemental sud. Daniel Compère remplacé dans poste ça commissaire divisionnaire Jean Bazley Bornelus qui passait moins passé 3 semaines dans tête police dans département sud là. Correspondance depuis Okaï, Rosberta Denistan. Inspecteur général Fritz Saint-Fort installé commissaire divisionnaire Daniel Compère comme nouveau directeur de la police dans le sud, journée jeudi 31 mars 2022. Commissaire Daniel Compère remplacé commissaire Jean-Bazley Bornelus qui passait moins que un mois dans le département. Inspecteur général Fritz Saint-Fort mandé policiers à toute l'autre autorité dans le département collaborer avec nouveaux responsables dans le cadre de travail. La police nationale a pour mission de protéger les vies et les biens de la population. La police nationale a pour mission de veiller au respect des droits et des libertés fondamentales des citoyens et a pour mission également d'accompagner les citoyens ainsi que les institutions du département dans l'accomplissement de leurs missions. Sur ce, je demande aux autorités ici présentes d'accorder une attention particulière et soutenue à notre nouveau directeur départemental pour l'aider dans l'accomplissement de sa mission. IGPNH l'a dit reconnaître commander un département pas facile, mais il demande un nouveau directeur pour le capable de comporter en un leader et puis pour toujours être disponible pour tant de monde. Nous savons que pas une mission facile, commander un département aussi important que le Sud,
Et je demande également au nouveau directeur départemental d'être un véritable leader pour les policiers placés sous son commandement. Un bon commandant doit être toujours à l'écoute de sa troupe, à l'écoute de ses éléments. Un bon commandant doit être toujours disponible et accessible. Un bon commandant doit être toujours joignable. Nouveau directeur, commissaire divisionnaire Daniel Compère, pas de place et un mot dans la cérémonie ça, qui déroulait en présence délégué sud la Saint-Géry, autorité dans la justice avec la mairie au CAI et puis président am sud la Fouk Saint-Géry. N'a pas rappelé changement ça a venu après la violence qui était faite dans le mouvement 29 mars passé. Groupe cap appuyé rapatrié ak réfugié yo attiré attention autorité diplomatique haïtienne yo sous péripétie plusieurs milliers étudiants haïtiens à vivre dans République dominicaine. Compatriotes sa yo qui obligé à étudier la caille voisin pour en pile raison apatan désespérément renouvellement visa yo autorité dominicaine yo te promet la. D'après groupe cap appuyé rapatrié ak réfugié yo, jusqu'à présent visa sa yo pour que jamais renouvelé yon situation qui baigar gros tête chargé. Autorité dominicaine yo te promet pour pencher sous question visa à étudiant haïtien yo, mais jusqu'à présent pa gen anken anyen ki fèt nan sans sa. Gar critiqué yon lot bol politique laissé grenen autorité haïtienne yo ki pa posé anken action pour assister compatriotes sa yo kap vive illégalement sous territoire dominicain depuis le visa yo expiré. Joseph Mike Lizias, c'est responsable communication et plaidoyer dans le groupe qui a appuyé rapatrié et réfugié. Il y a une question d'insécurité suite à la mort de Jovenel qui fait que il y a plus d'insécurité à deux pays. Il y a plus de monde qui a déplacé qui était à Haïti pour aller en République dominicaine. C'est qu'il y a un problème au niveau diplomatique. Avec ancien ministre des Affaires étrangères et M. Claude Joseph, qui a un problème ensemble avec l'autre autorité dominicaine dans quelques déclarations qui étaient faites. Avec l'autre problème qui était toujours là, qui est toujours latent entre la République dominicaine et Haïti, qui fait que la République dominicaine devient faire chasse à migrants haïtiens, particulièrement femmes enceintes, qui ont été à l'hôpital, qui ont dans la rue pour capable mener aux finis aux frontières. Et que par la suite, tension diplomatique qui était gagnée, qui vient gagner question de la étudiant et la République dominicaine qui menacé ou bien annoncé que vous pourrez suspendre le programme. Ça a été un problème tout entre tous les deux pays parce que vous avez commencé à faire pression sur les étudiants haïtiens sur plusieurs milliers pour la République dominicaine et qui attendent une certaine régularisation de statut comme étudiant l'autre bois pour capable de vivre pour voyager et délivrer. Parce que vous êtes obligé de contraindre à toute exigence dans le domaine de migration qui est imposable à tous les voyageurs réguliers pour aller en République dominicaine. C'est toujours des hauts et des bas entre Haïti et la République dominicaine. Le dernier coup de l'eau qui rendait ces vases, c'est question de mur là, que la République dominicaine décide de construire un mur et à vous capable de séparer tous les deux pays pour capable combattre les criminalités, combattre les exames graphiques drogue. Capable de combattre la question de migration irrégulière haïtienne pour gérer la question de contrebande bien. Nous souhaitons que nous engagions, que même si pas trop d'avenir, pour que la République dominicaine avec Haïti, nous même pas de chemin de dialogue, nous sommes capables d'aller ensemble, qui sont capables de gérer et puis résoudre ou de porter cette solution à problème qui est confronté. Parce que un seul pays pas capable de gérer ou bien de résoudre problème que tous les deux pays ont confronté, que tous les deux pays ont concerné là-dedans. La République dominicaine, qui a doué, comme il a été annoncé, il a pris le campé avec le programme. Et puis par la suite, il a retourné sous décision que il a pris l'accordé, puis il a poursuivre avec les programmes et visa étudiants. Nous pas qu'on est effectivement pour le moment, est-ce que le programme n'a pas discontinué? Ou bien est-ce qu'il y a pour fruit étudiants et possibilité pour être capable de renouveler le visa sans problème. C'est un dossier qui n'a pas suivi de près, mais pour le moment, nous n'avons pas gagné des informations actuelles sur l'état des lieux dans la question visa et étudiants haïtiens qui l'ont besoin. Joseph Mike Lizias, responsable communication et plaidoyer dans GAR. Organisateur marche citoyenne 29 mars passé à
exprimé satisfaction yo nan sa ki konsene participation population an nan journée mobilisation sa pou dénoncer insécurité ak kidnapping en particulier. C'était une journée réussie d'après coordonnateur collectif 4 décembre Jean-Robert Argan qui saluait comportement républicain police nationale là ak citoyen yo pendant marche si la. Organisateur yo di yo kembe dynamique mobilisation nan l'idée pour forcer autorité yo adopter mezi pour freiner action bandi yo et puis renforcer institution qui gen pour garantir sécurité population. Collectif 4 décembre proposé formation sali rele yon collège mixte sécurité publique pendant li lance yon appel dialogue sincère ak patriotique sous proposition différents secteurs politiques ak nan société civile la pour résoudre crise la. Déclaration coordonnateur collectif 4 décembre Jean-Robert Argan Namikwo journaliste. De plus en plus, nous gagnons pour nous organiser d'autres événements, manifestations, pour que nous arrivions à une solution pour que nous jouions finalement dans le pays, dans le pays, pour que tout haïtien ait des places au soleil. Je dis, nous lançons appel encore à tous les haïtiens que la haine, qui répète pas pour qu'apporter nous rien, il faut que messieurs, pour que les scènes politiques, il faut que vous compreniez encore ça pour apprendre une marche que nous baillons là. De la marche d'amnistie, le VKP, contre le kidnapping, contre l'insécurité et contre la Nigeria, il y a une autre voie qui veut parler de l'autre causé taille. Ceci n'a pas créé d'éclatement à l'intérieur de la marche. Ça veut dire qu'il y a un respect qui commence à se développer, le respect de l'opinion de l'autre. Notre marche n'était pas une marche politique du 29 mars dernier. C'était une marche pacifique et citoyenne. Mercredi 30 mars 2022, chanteuse haïtienne Yannick Etienne mourit en bas maladie cancer dans pays États-Unis. Mercredi 30 mars 2022, la police nationale vient découvrir Cafou Furio, commune Tabac, cadavre professeur Emmanuel Point du Jour. Ça fait plusieurs jours, pas de nouvelles sur professeur Point du Jour qui t'a fait cours sciences physiques dans le lycée national Jean Butler Georges dans commune Cabaret, dans une distance 27 km dans le nord Port-au-Prince. L'ennui, mercredi 30 mars 2022, ancien député Anel Binizia Sibi, une première opération après le recevoir plusieurs balles dans le Cafou Payan, Port-au-Prince, t'a gagné des matchs qu'a fait pour la Sibi, notre opération dans le pays étranger. Dans Kilti, mercredi 30 mars 2022, chanteuse haïtienne Yannick Etienne mourit en bas maladie cancer dans le pays États-Unis. Yannick Etienne, qui fait dans Port-au-Prince, sorti dans une famille artiste. Deux nos frères Léo, c'est musicien, alors que Tisseur Li, c'est danseuse. Yannick Etienne a collaboré avec plusieurs artistes et puis groupes, tant que Jose Tavernier, Austin Tweet, Tab Combo, Elite Orchestra ou bien encore Timano. Il était propulsé sous scène internationale là, dans l'année 1982 grâce à la performance de son dernier album Avalon de Roxy Music. Il était gagné prix meilleur nouvel artiste dans Caribbean Music Awards dans l'année 1993. Chantilly, qui relie Mister Lamou, a gagné un gros succès dans l'époque là. Yannick Etienne a été sorti dans l'année 2004, deuxième album solo Love Songs for You, qui a gagné un bon succès dans la période là. Dans le chapitre insécurité, mercredi 30 mars 2021, la police nationale vient découvrir Cafou Furio, commune Tabac, cadavre professeur Emmanuel Point du Jour. Ça fait plusieurs jours, pas de nouvelles sur professeur Point du Jour qui t'a fait cours sciences physiques dans le lycée national Jean Butler Georges, dans la commune Cabaret, dans une distance 27 km dans le nord Port-au-Prince. Pour qu'on ait eu beaucoup de circonstances, l'un mort enseignant, le jeune cadavre dans Cafou Furio. La nuit, mercredi 30 mars 2022, ancien député Anel Belizer Sibi, une première opération après le recevoir plusieurs balles dans le Cafou Payan, Port-au-Prince. T'as une image qu'a faite pour la Sibi, l'autre opération dans le pays étranger. Dans la même circonstance, le commissaire gouvernement dans le tribunal civil Port-au-Prince, M. Jacques Lafontaine, mandé direction centrale la police judiciaire de CPJ pour lui ouvrir une enquête pressée sur attaque n'est examen fait sous ancien député Delma Tabar, Anel Belizer, dans la date mercredi 30 mars 2022.
Organisateur de mon Sotka l'évêque SKL a dénoncé attaque exam mercredi 30 mars 2022 contre ancien député Arnel Belizer. SKL tout exigeait bon gens disposition pour la paix retourner dans le quartier populaire autant que dans la zone Matissan qui sous contrôle d'un exam depuis date 1er juin 2021. En côté directeur exécutif Sotka l'évêque la paix gardien mise en œuvre. Nous déplorons tout exactement ce qui passait hier contre Arnel Belizer. Ça fait nous mal. Le pays n'a pas arrivé à un niveau ça. Côté pas de tolérance, nous déplorons ça. Nous disons nous avons besoin de passer Matissan. Nous disons nous avons besoin de la famille, nous avons la ville. Nous disons nous avons besoin de la famille, nous village de Dieu. Nous disons nous avons besoin de marcher dans tout le pays, c'est ça nous demander. Nous ne demandons pas plus encore. Que les gens qui gagnent l'État, qui gagnent le pouvoir, la main, démerdez-nous. Ben nous ça, nous besoin la paix, nous besoin la tranquillité. Et actuellement, après marche là, nous en concertation avec un pile groupe pour nous garder exactement qui prochaine étape que nous prenons. Et nous avons assumé notre responsabilité. 29 mars, nous avons dit c'est une marche pour la paix. Exactement, c'était la paix. Pas de même caoutchouc, tu ne peux pas quoi avoir. Pas gagné qui t'est fait et nous t'es clair que l'a fait. Et prochainement, ça qu'a privé le pays a pas sous compte nous. C'était directeur exécutif Saint-Carl Lévesque, la paix gardien mise en œuvre. Entre janvier pour arriver mars 2022, centre analyse à recherche à l'endroit moun a compté 225 cas kidnapping dans l'examen ou fait sous territoire national là. Dans la même période là, dans l'année 2021, il était compté 142 cas kidnapping. Dans le dernier bulletin ça, organisation droit moun a rapporté pendant la période ça, sorti mois janvier, arrivé mois mars 2022, kidnapping a augmenté dans 58.45% dans le pays. Détail expliqué cas kidnapping paraît sous route. Pour augmenter plus toujours si la communauté internationale n'a pas respecté pour mettre l'argent qui a fait pays d'Haïti pour aider la bataille contre Pichon ça. Toujours dans le même chapitre, insécurité à la police nationale d'Haïti fait qu'on est arrêté dans la date 18 mars 2022 dans la commune Carrefour, Schneider Bruno, les suspects qui ont participé dans le kidnapping 3 mounes dans la date 23 septembre 2021. Dans le moment où la police est arrêté, lui, il a été joint dans la machine. Une dans trois mounes ont été kidnappés, qui était dans un pick-up couleur blanche année 2018 qui a numéro plaque BB93937. Dans le chapitre migration, il y a plus de 300 natifs natals haïtiens qui sont en prison République dominicaine pour assassinat. Il y a 285 autres qui sont en prison pour voler sur un total 1464 haïtiens qui sont en prison République dominicaine d'après chiffre direction prison dominicain Bay. D'après Matik Journal La Dominicaine, les Sindiario, dans la quantité ça, a gagné 175 Haïtiens qui sont en prison pour violence domestique, 108 pour couillot by moun et moun yo blessé, et puis 282 lots pour infraction droit pénal. Sous quantité 1464 Haïtiens ça yo qui sont en prison dans le pays voisin, a gagné 376 qui condamné lorsque il y a 1088 qui sont en détention préventive prolongée. Dans le chapitre politique, le mouvement protestation mardi 29 mars 2022 contre le climat latéria et spécialement contre Zak Kidnapinio, bien passé sur le territoire national là, c'est des organisations qui ont pris l'initiative de manifestation Sayo et spécialement dans votre prince occasion 35 l'année depuis la population a été votée constitution 29 mars 1987 là. Dans une conférence pour la presse, jeudi 31 mars 2022, collectif 4 décembre 2013, fait qu'on est en concertation avec l'autre secteur pour entamer une autre phase dans le mouvement Yoa. Jean-Robert Argan, c'est coordonnateur collectif 4 décembre 2013, là pour des plus de détails pour nous. Je dis, on dit que marche là, vraiment, t'es là pour réveiller nous. Il était là parce qu'on en a marre, on en a ras-le-bol. Nous étions une population qui est vraiment tétanisée, que c'est la peur qu'a Kébel nous fait effort. Nous avons peur ça. Et nous vraiment venu la marche là. Et c'est présence qui fait que fait une superbe marche, sans violence. Et ceci est un. Souligner. Nous avons dit que l'insécurité que nous avons subie, si nous n'avons pas fait ça dans faire, si nous n'avons pas déclenché le mouvement, ça, nous avons arrivé bien loin. Et de plus en plus, nous gagnons pour nous organiser d'autres événements
d'autres manifestations pour que nous arrivions à une solution côté. On joue finalement dans le pays, dans le pays nous, ça nous a voulu, ça nous voulait gagner, côté tout haïtien a une place au soleil. Je dis, nous lançons appel encore à tous les haïtiens que la haine se répète. Il faut que monsieur qui occupe scène politique, que comprenne, il faut que comprenne, je dis ici encore, ça pour apprendre de marche que nous baillons là. Yon l'autre bon coordonnateur collectif 4 décembre 2013 d'agent Robert Gan fait qu'on est yon pral fait pression sous gouvernement pour arriver à gagner yon dialogue national dans l'idée pour joindre une solution dans la crise. Kabla Sibyl, pays d'Haïtien, coordonnateur collectif 4 décembre 2013 l'an, fait qu'on est, il prend le temps, mais diverses autres mobilisations pour dénoncer Zak insécurité à non payant. En côté, coordonnateur collectif 4 décembre 2013 l'an, Jean-Aubert Gant, pour plus de détails. Nous le dit qu'on est, je dis, un premier bagage proposé, c'est que on maintienne la mobilisation. Que nous rendons fonctionnel instance de sécurité nationale que mettez en place éventuellement au collège mixte de la sécurité publique et finalement nous proposer que ça c'est vraiment c'est ce qui nous permettrait de sortir de l'ornière, nous proposer au dialogue national entre les différents secteurs de la vie nationale pour que nous entamions au plus vite ce dialogue sincère et patriotique autour de toute proposition qui est formulée par différents secteurs. On est arrivé au stade où aujourd'hui, pas qu'il y a un monde qui dit que la solution au problème, la solution sortira lorsque nous mettons ensemble. Mais ceux qui ne sont pas politiques, pour nous débattre et mettre sous table là, différentes propositions. Parce qu'il y a plusieurs propositions qui sont faites, il n'y a pas de proposition qui soit parfaite. Donc il y a plusieurs propositions qui sont faites, que Chita, que Femme et Koyo, un jour, deux jours, une semaine aux côtés, et que finalement on sortit avec une proposition qui est bien et qui garde pays, qui garde nation, qui garde avenir et qui oublie vraiment intérêt clic, intérêt clan, intérêt égoïste, intérêt personnel. Qui mettait nous côté nous là parce que a fait tout coucou que les bourgeois pour nous suspendre notre pays qu'a dépéri nous pas capter que c'est nous qui pouvons faire pour nous c'est nous pour mettre tête nous ensemble et nous capables de faire parce que nous avons des têtes brillantes tant ici qu'à l'étranger et qui n'ont rien d'autre à offrir que tout leur amour pour leur pays pour notre pays de façon qu'ensemble nous trouvions cette solution où finalement Haïti vaincra. C'était coordonnateur collectif 4 décembre 2013 là, Jean-Aubert Hagan. Vladimir Poutine annonce jeudi pays qui pas en mi Russie ou capable acheter gaz russe nan doit à partir vendredi payer en rouble qui c'est l'argent russe nan depuis compte pays Russie sinon y a pas approvisionner. Mais si ça si tout touche l'Union européenne. Cependant, prix gaz nan rete nan devise kontra ki an kouyo, ça qui pi souvent en euro bien en dollar. Yo doit ouvrir compte en rouble dans banque russe et compte ça doit payer gaz qui livré à partir vendredi, c'est ça Vladimir Poutine déclaré dans télévision après les fin signé un décret dans sens ça. Il a ajouté si on refuse contrat qui la yo a campé. Tout Conseil sécurité l'ONU a voté jeudi pour création en pays Somalie, yon l'autre force maintien la paix, l'Union africaine qui relait ATMIS, qui va le remplacer AMISOM qui la kounya qui gagne 20 000 militaires, policiers mais tout civils. Après un pile mois échange constructif, Conseil sécurité l'ONU a adopté une résolution qui reconfigure AMISOM. Mais c'est pour kounya mission transition l'Union africaine pays Somalie ATMIS d'après ça Émirats Arabes Unis a présidé pendant mois mars dans Conseil sécurité annoncé. Toujours en Afrique, Kenya a Cour suprême invalidé un processus révision constitutionnelle présidente et initié. Président pas capable d'initier amendement ou changement constitutionnel à travers initiative populaire. Amendement constitutionnel 2021 inconstitutionnel. C'est sa présidente Koulan Marta Koum déclaré côté le bloqué processus extension exécutif.
Et puis Asie Aung San Suu Kyi yon l'autre fois encore assisté à audience li devant tribunal jet nan jeudi après li te fin placé en quarantaine après cas COVID-19 nan entourage li. D'après ça yon source qui proche ancien dirigeant Biman nan fait connaître. Gouvernement civil Aung San Suu Kyi 76 d'année t'ap mené te wè la meilleur jeté l'année passée à travers un coup d'état qui était la cause en pile manifestation. Li pou konnen wè en pile procédure judiciaire ciblée et puis risque passer 150 l'année prison.